Bonjour à vous, ODF Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODF TV Archive. Je suis en présence de Rémi Fauchereau, donc reporter d'ODF TV du département de l'Yonne, mais également président de l'association d'études des phénomènes aériens, membre d'honneur du SOBEPS, du CEOF et du SEAU. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Ça va bien, avec le temps qu'on a là, un soleil absolument incroyable. Pour un mois d'octobre. Pour un mois d'octobre, oui, c'est quand même, je sais pas combien il y a de degrés, mais au moins plus de 20. Hein. Alors c'est quand même, on voit que le climat est un peu particulier. Maintenant, je sais pas quel été on aura, mais enfin, tout va bien. On est en t-shirt, vous voyez. Et on fait des vidéos pour ODHTV, tout va bien. Alors, chez toi, il me semble que c'était en 2019, a été créée une émission qui maintenant perdure, hein, c'est l'émission IFO IFO. Oui, si oui, tu te rappelles bien, on avait enregistré avec Gilles Durand, dans la salle de bal que j'ai appelée à l'époque, hein, oui, puisqu'on avait tout nettoyé avec le seau. Je me rappelle de l'état de la vitre hein, qu'on avait nettoyée, la crasse qu'il y avait dessus, tellement que ça, c'était depuis les années 80 qu'elle n'avait pas été nettoyée, il me semble. Plus que ça, depuis les années 75, 76. Et donc, c'est ça, c'est le boulot du SEAU, c'est nettoyer sur Rémi Fauchereau, n'est-ce pas? Bon, alors, aujourd'hui, c'est la 40e édition d'IFO IFO, et j'aimerais bien faire un nouveau concept avec toi, c'est-à-dire on inverse. Au lieu que ce soit IFO IFO, aujourd'hui, c'est UFO IFO. Alors, ce matin, à 6h bon, du matin, donc on est le 26 octobre, là, dans l'enregistrement, le 26 octobre 2022, tu as fait une observation. Alors, tu vas raconter l'observation que tu as faite, et après on passera on est dans le domaine de l'UFO, et hop, on arrivera dans le domaine de l'IFO, où tu vas dire ce que c'est. Alors déjà, qu'est-ce que tu as observé? J'ai observé un point lumineux qui flashait bien, hein, qui était à basse altitude, qui était sous les étoiles, sous la voûte céleste, et qui se déplaçait lentement, toujours apparemment en ligne droite, et qui allait en direction de l'aérodrome de Branche, qui est passé juste à la verticale de ma maison, de mon domicile. Et donc, voilà ce que j'ai observé. Et maintenant, donc, IFO, qu'est-ce que c'est? Alors donc, pour moi, ça n'a fait aucun doute, parce que j'ai l'habitude de ce genre de choses, vu que c'est pas la première fois que j'ai ce genre d'étoiles, de grosses étoiles qui passent au-dessus de ma maison. Et on peut le vérifier sur Internet, entre parenthèses. C'était tout simplement la station ISS qui allait d'ouest en est, en direction de l'aérodrome de Branche et qui passe au-dessus de ma maison. Voilà. Et ça, c'est vérifiable quand on a les heures précises, la trajectoire, on peut le jour et tout ça. On peut trouver la trajectoire sur Internet, il n'y a pas de problème, avec les logiciels d'astronomie ou d'astrophysique. Et donc, ça n'a fait aucun doute, il n'y avait aucun doute pour moi. Voilà, et c'était spectaculaire. Hein. Il n'y avait pas de bruit, c'était silencieux. Effectivement, elle tournait à quoi, 273 km d'altitude ou 243 km d'altitude, je crois, entre ces deux dans cette fourchette-là. C'était beau à voir, quoi. Surtout que le ciel était bien étoilé, il n'y avait pas un nuage, on voyait la grande ours. De manière très nette, et toutes les autres étoiles aussi étaient très nettes, la voûte céleste était belle. Ouais. Je vais vous parler d'un cas de 1985 qui s'est produit dans le département de la Loire, près de Saint-Étienne, un lieu dit, enfin plutôt un quartier à la périphérie de Saint-Étienne. Et donc, c'est le soir, la nuit tombe, on est en février 85. Et donc, les gens sont dans leur pavillon plutôt récent, disons il doit avoir 4-5 ans maximum à l'époque. Et donc, ils descendent les volets roulants, parce qu'ils ont une grande baie vitrée qui donne sur la vallée de la Loire, qui est en bas.
de la colline. Et au moment où il baisse les volets roulants, il y a quelque chose de très bruyant qui passe au-dessus de la maison. Il relève les volets roulants à toute vitesse et là il voit une sorte de disque rouge, une flamme rouge qui s'en va, disons, à l'opposé l'opposé de lieu d'observation où ils sont. Donc il passe, selon eux, la vallée de la Loire. Et là, il voit que la chose se fixe dans le ciel et dérive lentement vers la droite pendant 20 minutes jusqu'à être cachée par la montagne. Il y a donc, pendant cette durée d'observation de plus de 20 minutes, enfin de 20 minutes ou de plus de 20 minutes, enfin dans cet ordre-là, 20 minutes disons, on sort une jumelle de Marine dans la famille. Il y a 4 ou 5 personnes, il y a le père, la mère, il y a donc le témoin principal, on va dire principal, et sa grand-mère, si je ne m'abuse, et peut-être sa sœur, je ne sais plus exactement. Ah, voilà, ils sortent une jumelle de marine ancienne, hein, une belle jumelle en cuivre et tout, enfin un truc, on l'a vu, on a fait des photos, c'est un très bel objet, un objet de vitrine, un objet de musée pratiquement. Et là, tout le monde commence à pointer sur le phénomène qui se déplace lentement vers la droite, et tout le monde regarde, puis ils voient dedans, alors ils font les réglages, ils voient un gros truc orangé, parce que. Quand on le voit à l'œil nu, il est orangé, mais assez soutenu. Mais quand on le voit dans l'objectif de la lunette, c'est beaucoup plus pâle, mais c'est orangé. On avait d'ailleurs relevé les pantones à l'époque. Hein. Les couleurs. Hein. Donc, toute la gamme d'orange qu'ils avaient. Enfin, selon. En fait, il y avait des divergences entre les témoins. Hein. Minimes, mais il y avait des divergences quand même, au niveau de la couleur orange. Donc, cette observation fait que bon, tout le monde regarde. Il y a le témoin principal, un jeune homme, donc à 16 ou 17 ans. Et lui, il pointe, et il voit, alors je ne sais plus dans quel ordre ça se passe, bah, il voit deux fois des choses bizarres. Alors je vais vous donner une des deux, mais je ne sais pas si c'est en premier qu'il a vu ça ou en second, je ne sais plus. Donc il voit des sortes de bulles qui se déplacent sur la surface de ce qu'ils observent dans la lunette. Donc il voit la circonférence de l'objet, et dans cette circonférence, il y a des bulles qui se déplacent dans tous les sens. Généralement qui se déplacent vers le bas, à la droite, à la gauche. Et il dit, oh, venez voir, tout le monde regarde, personne ne voit rien, à part lui. Il reprend la lunette, il remet la lunette dans l'objectif, et là il voit un réseau. Ça ressemble à une grosse araignée. Et là il dit, ben regardez quand même, il y a quelque chose. Tout le monde vient voir, personne ne voit rien. Donc il n'y a que lui qui voit ces deux choses. Donc, une fois de plus, des indices d'étrangeté, on appelle ça, indices d'étrangeté supplémentaires qui viennent rendre l'observation étrange. Voilà. Et bah on en reste là, disons. C'est à l'ifologie, explication. Explication. Alors, ça a été quand même une enquête. On était quatre enquêteurs, hein. Trois qui étaient des enquêteurs pragmatiques et un qui était un croyant pur. Et ce qui fait que l'enquête n'a jamais été publiée, parce que cette personne refuse la publication. Parce que nous, on a trouvé l'explication. Et lui n'accepte pas cette explication. Alors l'explication suivante est la suivante. Le phénomène hyper bruyant, cette flamme orange dans le ciel au départ, qui va se fixer dans le ciel de l'autre côté, en fait, c'est juste un chasseur de l'armée de l'air, Mirage 3, imaginons à l'époque, pas encore un Rafale, mais un Mirage, un Mirage 2000, je ne sais pas, un Mirage, qui passe au-dessus de la colline et qui descend dans la vallée de la Loire et qui va tourner, qui va faire effectuer un virage pour rejoindre
la source de la Loire, enfin pour aller vers les sources de la Loire. Donc il tourne, il fait un virage vers la gauche. Et en fait, pourquoi, comment on sait ça? C'est qu'on a fait une enquête de voisinage. Et en bas de la rue qui passe devant la maison des témoins, on arrive à un carrefour, à un pont sur la Loire, mais la Loire à cet endroit-là, c'est pas un ruisseau, mais c'est pas plus grand que l'Yerres chez moi, enfin un peu plus large quand même, légèrement plus large quand même. C'est pas le fleuve qu'on connaît après. C'est un fleuve moins grand que la Seine. Voilà. Plutôt comme la Marne, on va dire la Marne, quoi. La Marne, quand elle se jette à Paris. Il y a le pont et de l'autre côté, il y a un café au coin. Il y a les quais, bien sûr, de chaque côté. Et puis là, au coin du quai, de la rue qui traverse le pont, il y a un café. On va voir les gens du café, il est ouvert. On va les voir. On dit, voilà, on enquête sur cette observation. Il y avait l'article de presse. Enfin, je n'aurais peut-être pas dû leur montrer, mais enfin bref. On leur dit, voilà, vous êtes au courant. Ah oui, bien sûr, oui, mais nous, on a entendu le. Et on l'a entendu et hop, il est tourné vers la gauche, là. Il a suivi la Loire vers sa source. Ah, ça nous a réveillés et tout, c'est passé très très bas et tout, c'est très bruyant. Ils n'ont pas dit que c'était un avion, ils n'ont pas vu, ils ont entendu que le bruit. Hein. Ils ont bien compris que ça tournait vers la gauche. Hein. C'est là qu'on a su que ça tournait, enfin, qu'on a compris que ça tournait vers la gauche. Et donc c'était pas ça qu'ils voyaient de l'autre côté. Déjà. Il y avait déjà une partie, c'est pour ça qu'il faut séquencer les choses. Donc on a fait cette séquence-là, voilà, on avait l'explication. Quelque chose qui a tourné vers la gauche. Ce qu'on voyait, c'était la tuyère de l'avion. Ce qu'ils ont vu, c'est la tuyère de l'avion. Et en fait, le truc disparaît à leurs yeux. Ils sont un peu affolés parce qu'ils entendent, c'est hyper bruyant et tout. Et ils sont affolés par ça. Donc, en fait, à un moment donné, ils doivent le perdre de vue. Ils se reportent sur quelque chose qui est de l'autre côté, qui est à peu près de la même couleur, orangé, et qui s'est fixé dans le ciel. Mais pas complètement, parce qu'il dérive vers la droite, doucement, pendant 20 minutes jusqu'à se cacher par la montagne. Il est au-dessus de la crête, en fait. D'une autre montagne, une montagne plus basse. Enfin, du haut de la. Je dirais, il est au-dessus de l'autre versant du coteau dans lequel est encaissée la Loire, à cet endroit-là. La Loire est encaissée. T'as deux coteaux qui montent. Donc en fait, le phénomène est au-dessus de la crête du coteau qui est de l'autre côté de la Loire. Donc ça, le coteau, en fonction de la pente, je sais pas à combien de kilomètres. Enfin, c'est pas le phénomène qui se trouve à des kilomètres, c'est le sommet de la crête. Et en fait, c'est une planète. C'est Vénus ou Jupiter, je ne sais plus exactement. Et en fait, qui se déplace, c'est la Terre qui tourne, et puis le truc se déplace, bien sûr. Elle décline un peu vers le sol, vers la crête. Enfin, voilà. Et en fait, ce qu'ils observent enfin, ce que le jeune témoin observe dans sa lunette de marine, c'est un ou deux, enfin, en fonction. On va dire que les premiers, c'est les bulles, c'est les cœurs flottants de l'œil, ce qu'on appelle. On peut faire, là, je peux le faire, voilà, il y a un fond blanc, là, je le fais, et je regarde, je fais ce qu'on appelle regarder dans le vide. Et je ne fixe pas vraiment, je laisse mes yeux. Sans fixer quelque chose de particulier. Et là, je vois descendre, voilà, c'est un filament qui descend là, voilà, il est là, voilà, et je bouge l'œil et il part vers la droite, bouge l'œil de l'autre côté, il part vers la gauche, et puis je laisse faire, et là, il y en a un autre là, et là, il y en a deux, il y a une petite barre là, et puis une petite cercle là, qui descend vers le bas. Et si je tourne là, ils s'en vont vers là-bas. Voilà, c'est ça qu'il a vu. Et ça, tout le monde peut le faire. Cette observation. Hein. Et alors, dans les circonstances, plus ou moins, ça va être plus ou moins net, mais bon, quand c'est dans un truc qui amplifie la lumière, comme une lunette, c'est normal que tu le vois très bien. Alors, le deuxième phénomène qui se produit, c'est un phénomène dont il a été question au Képan, mais que moi, personnellement, ayant participé à des CNEGUS, etc., ayant travaillé avec Gene Munch dans certaines circonstances X ou Y, on était au courant, déjà, maintenant, on a des témoignages très très précis sur ce phénomène, qui est en fait une réfraction du fond de l'œil, et en fait c'est un reflet du fond de l'œil. Et en fait, l'amplification de la lumière dans la lunette fait que
Ça éclaire le fond de l'œil et ça, on s'en rend pas compte. Et en fait, du coup, le fait que ce soit éclairé, que le fond de l'œil soit éclairé, comme s'il regardait une lumière vive, hop, ça se reflète, c'est comme une image de cinéma, toi. C'est comme je vais dire, c'est comme si l'œil devenait un projecteur de cinéma ou un projecteur de diapo, tu vois. En fait, la lumière qui rentre, elle est renvoyée, mais comme il y a des choses au fond de l'œil qui s'appellent des vaisseaux sanguins, hein, il y a la macula, donc il y a le comment, le point aveugle, donc qui est vers le milieu. Il n'est pas toujours vers le milieu, ça dépend comment on est placé. Et puis il a ce réseau, et en fait c'est ce qu'il voit, c'est ce réseau de cette araignée, c'est le réseau des vaisseaux sanguins de son fond de l'œil. Voilà. Et Gilles Bunch nous a très bien expliqué que, d'ailleurs, ça ne ressemble pas tout le temps à un réseau, ça ressemble des fois à des barres assez épaisses, hein, des trucs. C'est un peu ce qu'il voit, lui. Il voit plutôt une araignée avec des grosses pattes, en fait. Voilà. Vachement épaisses. Oui, il nous a bien fait les dessins, il n'y a pas de. Avec. Il nous a fait des beaux dessins de ça, et c'est vraiment très, très clair. Hein. On ne peut pas se tromper. Voilà, c'est tout simplement ça. Et ça fait une belle enquête, une belle observation et une belle résolution.